Chers amis, bonjour. Nous avons tous été sidérés, abasourdis, sonnés par cette catastrophe sanitaire. Cette pandémie venue de l'autre bout du monde qui touche les habitants de tous les continents et frappe durement les plus vulnérables. Plus d'un tiers de l'humanité est confiné au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes tous soumis aux mêmes contraintes. Et nous avons tous les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Protéger les autres et nous protéger. Nous sommes tous profondément affectés par les images que relaient les médias. Nous partageons le désarroi des familles durement éprouvées par la séparation, la maladie ou la disparition de l'un des leurs. Nous les soutenons de tout notre cœur et nous leur transmettons toute notre compassion. Ce virus très contagieux exploite nos moindres fautes d'inattention pour nous attaquer et tenter de nous détruire. Cette pandémie va changer la face du monde. Rien ne sera pareil après. La santé est notre bien le plus cher. Elle ne s'achète pas. Elle se gère au jour le jour. Nous en sommes responsables, mais nous sommes aussi responsables de celle des autres. Elle ne s'apprécie vraiment à sa juste valeur que lorsqu'elle est menacée ou parfois perdue. La grave dérive de nos sociétés dites avancées ou civilisées, basées sur les gains de productivité par tous moyens, système où l'humain passe au second plan, laisse courir les pollutions en tout genre qui empoisonnent nos cellules et minent nos défenses immunitaires, en créant un état d'inflammation chronique qui prépare précisément le terrain des maladies dégénératives et des maladies infectieuses, dont celles dont nous sommes malheureusement les victimes en ce moment. Cette crise a montré clairement que le système actuel est incapable de répondre aux véritables enjeux. Préserver la santé de la Terre et la sécurité des humains, assurer l'avenir de nos enfants et petits-enfants, mais aussi de toutes les formes de vie dont notre survie dépend. Dans cette période d'après-guerre sanitaire, nous panserons nos plaies, nous reprendrons nos activités parce qu'il faut bien vivre, nous tenterons de reconstituer nos économies fortement affectées, économies individuelles mais économies nationales et internationales, et surtout nous repenserons notre système de pensée pour corriger les erreurs les plus grossières comme la mondialisation sauvage au mépris des règles éthiques et écologiques les plus élémentaires. Le temps est venu, en effet, cela fait des années et des années que nous le préconisons, de bâtir à l'échelle planétaire un système de prévention santé durable, digne de ce nom, accordant autant d'importance à l'homme qu'à son environnement, auquel il est intimement lié. Mais on ne peut pas refaire l'histoire, il faut maintenant la construire. Il nous faudra en tirer les enseignements pour éviter la récidive ou l'aggravation du danger viral qui est toujours menaçant. Même si cette crise s'éteint, il pourra revenir ou sous une autre forme. Il faut donc soutenir nos scientifiques et tout le corps médical qui investit toute son énergie dans cette lutte. Il sera nécessaire d'investir dans la protection de la vie, dans tous les secteurs d'activité, dans la véritable prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est celle qui empêche le développement des maladies. Elle est basée sur l'hygiène au sens noble du terme, c'est-à-dire hygiène physique bien sûr, mais également hygiène alimentaire et lutte contre les pollutions. Après ces longs jours de confinement, qui nous paraissent déjà une éternité, vous avez tant bien que mal réussi à vous organiser et je vous en félicite. Mais vous commencez à angoisser. Votre corps risque de s'affaiblir parce que vous ne faites plus tous les mouvements, vous n'utilisez plus votre corps comme avant. C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils que je m'applique à moi-même et que je vous conseille de suivre, quelle que soit votre situation. Que vous soyez, que vous fassiez du travail en ligne, du télétravail, ou que vous soyez retraité, ou que vous soyez bloqué chez vous sans pouvoir aller travailler. Comme nous ne savons pas combien de temps va durer ce confinement, je vais essayer de vous faire
plusieurs vidéos sur des sujets différents. Mais aujourd'hui, nous allons traiter surtout de l'entretien de votre physique. Voici ce que je fais moi-même et ce que je vous conseille de faire. Vous devez, en effet, pour conserver vos muscles et votre souplesse générale, les faire travailler régulièrement. Sinon, vous risquez de voir ressurgir vos vieilles douleurs articulaires ou d'en voir apparaître de nouvelles ou enfin de voir s'aggraver des problèmes jusque-là stabilisés. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus facile d'aller voir son ostéopathe, son kiné, son chiropraticien ou son médecin. Donc, on a tendance à rester attentiste et à perdre les bonnes habitudes. Alors, les mouvements que je préconise peuvent être pratiqués quel que soit votre âge et votre état de santé, surtout si vous ne pratiquez aucun sport. Pour les sportifs, vous avez des quantités de vidéos. C'est pas la peine. Moi, mon boulot, moi, je m'occupe de personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes vertébraux, des problèmes osteo-articulaires. Donc, c'est surtout à eux que ça s'adresse, mais aussi à ceux qui ne sont pas très sportifs, mais qui veulent s'entretenir pour rester en forme et lutter contre les effets de l'usure et du vieillissement. Si vous êtes adepte du sport, il existe sur Internet de nombreux sites de gym ou de yoga. Si vous avez du matériel de gymnastique, un vélo d'appartement, un rameur, une barre de suspension ou un simple tapis de gym, c'est le moment de les utiliser. Pour se maintenir en bonne santé, le principe est de faire au minimum une heure d'exercice par jour, non pas une heure d'un seul coup, mais une heure répartie toutes les demi-heures, toutes les heures, 3 minutes, 5 minutes, et vous arrivez facilement à une heure, et c'est très facile, ça doit devenir une routine. L'important, c'est la répétition. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de gymnastique un jour par semaine ou deux jours par semaine, il faut en faire tous les jours. C'est le seul moyen de s'entretenir, et d'ailleurs j'en parle dans tous mes ouvrages concernant le traitement des problèmes vertébraux ou articulaires ou anti-vieillissement, il faut faire un programme journalier régulier. Alors je répète, le minimum c'est une heure par jour pour compenser l'absence de marche, de montée d'escalier et de mouvements divers. Si vous faites du télétravail ou des jeux, si vous visionnez des films ou suivez des émissions, des formations sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable, c'est le moment de commencer ce programme pour ceux qui ne le connaissent pas. Voici donc le programme que je vous propose, sans sortir de chez vous et sans matériel. Ça veut dire que c'est un programme que vous pourrez faire plus tard, même quand vous pourrez sortir, vous pourrez le faire chez vous, vous pourrez le faire également au bureau. Il est facile, n'utilise que le poids du corps et fait travailler tous les muscles, surtout ceux qui ont tendance à s'atrophier, notamment chez les sédentaires, forcés que nous sommes devenus malgré nous. Dès le matin, au réveil, pratiquez 30 à 50 flexions des genoux, à raison d'une par seconde. Monter les escaliers de votre maison ou de votre immeuble en montant une ou deux marches à la fois sans toucher la rampe est un excellent exercice. À raison d'un étage, en 6 à 10 secondes, cela fait un très bon entraînement cardiovasculaire et des jambes, à condition de faire plusieurs étages. Si vous n'avez qu'un ou deux étages, faites plusieurs allers-retours. Arrêtez-vous dès que vous vous sentez essoufflé. Deuxième exercice, c'est pour moi un exercice absolument capital. C'est celui du stretching général qui vous permet d'éviter de vous rétracter et de vous raccourcir. Parce que je vous rappelle que lorsque vous êtes assis toute une journée, votre colonne vertébrale diminue de 2 cm. Vous vous tassez de 2 cm parce que vos disques se déshydratent. Donc, c'est la porte ouverte à la résurgence de vieux problèmes disco-vertébraux qui était enfoui depuis des années. Donc je vous conseille de faire ça le plus vite possible, dès aujourd'hui. Donc, alors le deuxième exercice de stretching général va vous permettre d'éviter de vous rétracter, de vous raccourcir. Donc je vous ai dit que on perdait entre le matin et le soir 2 cm de haut lorsque l'on reste assis sans bouger et sans s'étirer. Tout simplement parce que nos disques se déshydratent sous l'effet de la pression. Alors, je vous donne à chaque fois des dessins qui vous expliquent la position de départ, la position d'arrivée. C'est beaucoup plus simple, ce sont des dessins ou des mannequins qui sont la base de mon enseignement, de mes formations en ligne. Donc vous voyez, j'utilise un petit mannequin qui permet de bien visualiser toutes les positions, position des bras, position du dos, vous voyez, c'est vraiment excellent.
Voilà. Donc, vous avez ça directement en dessin. Comme ça, ça ira plus vite. Alors, voici le mouvement. Posez les mains sur un mur ou une porte à la hauteur du visage. Mains écartées d'une largeur d'épaule. Pieds écartés également de 30-40 cm. Si vous avez un problème d'épaule, abstenez-vous. Une fois que vous êtes appuyé voilà, en face de vous, voilà, comme ceci, reculez d'un pied supplémentaire. Maintenant, vous allez pousser vos fesses en arrière en étirant ainsi votre dos et les muscles et fascias. Ces fascias, je vous le rappelle, sont les membranes qui maintiennent et relient tous les organes du corps. Vous allez également étirer les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les jambes. Un exercice très complet qui est un peu difficile au début, mais qui, lorsque vous le ferez régulièrement, vous procurera une sensation de détente et de bien-être absolu. Maintenez l'étirement 5 à 30 secondes selon vos sensations. Relâchez, mais ne remontez pas. Relâchez simplement et recommencez 3 fois en essayant à chaque fois de vous étirer un peu plus. Troisième exercice, tenez-vous le dos à un mur ou contre une porte, pieds décalés et écartés, fessiers nuque appuyés, genoux bien tendus. Le mouvement consiste à vous redresser et à lever les bras en inspirant et en étirant en même temps les muscles thoraciques et abdominaux. À faire 3 fois de suite. Ces mouvements, ces deux premiers mouvements, sont à faire 5 à 6 fois par jour. Je vous conseille de suivre vos rythmes naturels afin de créer une routine qui, une fois le confinement terminé, sera bien intégrée dans votre cerveau et vous permettra de ralentir votre vieillissement corporel. Votre corps restera droit puisque vous l'entretiendrez au jour le jour. Ensuite, je vais vous apprendre l'exercice du Sherpa. Là, c'est vraiment très simple, ou l'exercice du mannequin. Quand vous marchez, faites comme si vous portiez une charge de 10 kg sur la tête. Vous ferez ainsi travailler les muscles profonds de la posture, qu'on appelle les muscles spinaux ou érecteurs du rachis. Donc, au lieu de marcher en étant de cette position, vous marcherez en vous tenant d'une manière altière. Par ce seul exercice, très simple, à la portée de toutes et de tous, vous tonifierez vos muscles vertébraux et soulagez vos disques intervertébraux. Un dernier exercice pour vous aider à lutter contre le stress et l'angoisse en agissant sur le contrôle cérébro-diaphragmatique. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui contrôle tout. Il ne faut pas croire qu'on fait des exercices, ce ne sont pas les muscles qui travaillent, c'est le cerveau qui envoie des ordres à vos muscles. Donc c'est un automatisme, ça devient inconscient, mais ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il faut beaucoup s'entraîner et surtout beaucoup répéter. Alors je vais vous apprendre à respirer entre temps pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur le lien ci-dessus. Alors ne cliquez pas tout de suite sur le lien, vous aurez l'occasion de le faire après. Je vais vous expliquer juste un mouvement. Donc vous inspirez en gonflant le ventre en 5-6 secondes. Vous soufflez doucement en rentrant le ventre. Vous rentrez le ventre, vous soufflez à fond, à fond, à fond. Une fois que les poumons sont vides, vous maintenez une apnée expiratoire, c'est-à-dire sans respirer, pendant 5 à 6 secondes. Ensuite, vous inspirez à nouveau et vous faites ceci pendant 3 à 5 minutes. Alors, si vous commencez à pratiquer dès aujourd'hui ces quelques mouvements, vous aurez la surprise de sentir en quelques jours votre corps changer, se redresser. Et lorsque le confinement sera terminé, vous aurez conservé ou même amélioré votre forme physique et surtout, eh bien, vous saurez respirer, vous saurez maîtriser votre stress, cette angoisse qui vous bloque au niveau du plexus solaire. Ces mouvements font partie de ceux que je conseille à mes patients dans le cadre de mon programme ostéopostural pour consolider mes soins. Donc, ce n'est pas une invention, c'est un programme que je pratique et que je guide, que je supervise depuis une trentaine d'années. Alors, juste deux mots sur le reste, sur le plan alimentaire. Pesez-vous tous les matins et essayez de perdre les kilos en trop. C'est le moment de vous mettre au régime. Vous avez tout le temps et vous avez vraiment tout le temps de vous consacrer à votre santé. C'est le moment de changer votre alimentation. Évitez absolument de grignoter entre les repas. Évitez l'alcool, source de stress et de prise de poids et de toutes ces maladies dues à l'alcool. Commencez les repas par une salade que vous composerez vous-même.
mélangez les couleurs et les saveurs. Ne mangez pas que des pâtes, ne mangez pas que des choses grasses ou sucrées. Voici les ingrédients de base que j'ai en permanence dans mon frigo. Salade fraîche, poivron, oignon, chauge, choux-pommes, brocoli, champignons de Paris, radis roses, carottes. À chaque repas, inventez une nouvelle composition qui doit être appétissante et également riche en couleurs. Pour une salade complète, vous pouvez ajouter du maïs bio ou des lentilles cuisinées. Faites une sauce à base d'huile d'olive ou de colza ou de noix pour les oméga 3 ou achetez un mélange riche en oméga 3. Évitez les sucres, évitez les boissons sucrées, évitez les pâtisseries, évitez les mauvaises graisses, les graisses saturées, viande grasse, huile de palme notamment. Buvez de l'eau régulièrement, il faut boire sans soif. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, même lorsque vous êtes immobile, confiné. Alcalinisez votre eau en mettant dans chaque bouteille une cuillère à café de bicarbonate de soude ou de lithotam. Sur le plan mental, je vous conseille de pratiquer, en plus de la respiration, quelques séances de relaxation, même sous forme de relaxation flash, quelle que soit la méthode, selon vos préférences. Méditation en pleine conscience, c'est-à-dire vous essayez de prendre de la distance vis-à-vis de vous, vous ouvrez tout grand vos oreilles et vous écoutez, vous essayez de percevoir toutes les sensations qui viennent de l'extérieur. Le yoga mental, la méthode Jacobson ou le training autogène de Schultz qui consiste à détendre toutes les parties du corps les unes après les autres. Visitez ma chaîne et visualisez les vidéos sur les sujets santé qui vous intéressent. Plus de 100 vidéos sont déjà disponibles et vous attendent. Inscrivez-vous également sur la liste de mes abonnés et amis en cliquant sur l'image en fin de vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des vidéos sur les sujets qui vous intéressent et vous préoccupent en utilisant l'email situé ci-dessous. contact@guiroulier-formation-s.fr. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo santé durable, j'espère dans les quelques jours à venir. Bonne journée, faites attention à vous, prenez soin de votre santé.